Bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Raconte Tequila. Je me suis Damien Louis et aujourd'hui, on va rencontrer Zachary Madrolet qui nous parle sur comment la musique a fait tellement un impact positif dans sa vie. Je suis très intéressé sur le sujet. Donc, bonjour Zachary à l'émission Tequila. Bonjour, merci de me recevoir. J'aimerais poser cette question qui est assez simple pour commencer le sujet. C'est quoi l'importance de la musique dans votre vie? Ben, en fait, la musique, je suis en train de te dire que c'est tellement important que c'est tout, honnêtement. Dans toutes les sphères de ma vie, j'essaie toujours d'incorporer la musique, peu importe la façon. Par exemple, juste faire un tour de voiture, autant où je me rends à l'école ou à la job. Même juste faire une ride de char qui va me durer 2 minutes, je prends quand même le temps de choisir une chanson appropriée pour la durée du trajet. Puis pas juste ça vraiment quand je travaille pour me concentrer, juste faire le ménage ou juste masser, écouter la musique, juste passer un bon moment. Je m'essaie toujours de mettre de la musique, même quand je joue aux jeux vidéo. C'est un jeu que je suis pas obligé vraiment de me suivre à une histoire, je mets de la musique, j'ai du fun, puis ça fait toujours une bonne ambiance. De la musique est toujours une bonne ambiance, dans mon opinion. Est-ce qu'il y a-tu certains types de musique en particulier que vous écoutez? Principalement du métal, vraiment. Surtout celui des années 70, 80, 90. Quoique il y a des groupes qui sont récents, qui ont commencé au début des années 2000 ou 2010, que j'écoute d'ailleurs. Mais principalement, c'est du métal, sinon du bon vieux rock. Encore là, années 70 et tout. Surtout que le rock, je trouve que le rock qui sort de nos jours, soit que c'est pas rock, soit c'est recyclé des années 70 et ça copie parce qu'ils ont déjà fait le tour, honnêtement. Puis il n'y a pas encore le groupe qui révolutionne tout. Ou sinon, des fois, me fait des petites folies. J'écoute un petit peu d'opéra. Ça fait pas mal de contraste dans ma playlist. ça ressemble tellement contrastant. Mais vous disiez qu'il y a de. Le groupe 2000, ce n'est pas ton préféré. Donc, il y a-t-il des groupes en particulier que vous préférez, des groupes, des personnes, quelqu'un? Honnêtement, oui. Il y a tellement de groupes que j'adore. Ben, je ferais faire la liste, mais on serait ici pendant une couple d'heures, honnêtement. Mais mettons que des groupes que je pourrais citer, dont Iron Maiden, groupe groupes anglais, commencé environ fin des années 70, puis qui tourne encore aujourd'hui d'ailleurs, font encore des spectacles. Avec, je pense, son 16 albums ou 17, il lâche pas la patate, mettons. C'est beaucoup. Sinon, il y a Black Sabbath, encore un groupe anglais, eux aussi, de là depuis les années 60, qui ont commencé, mais leur premier album en 70. Là, ils ont pris leur retraite, commencent à être un petit peu vieux, honnêtement. Ou sinon, Megadeth, Metallica, Anthrax, Slayer, tous des groupes qui ont commencé dans les années 80, puis que certains tournent encore, d'autres, ils ont pris leur retraite pour X raisons, là. Bien, okay. Donc, parlant un peu pour vous en particulier, il y a-t-il comme une ou deux instruments que vous pourriez dire que vous utilisez assez, vous pratiquez? Ouais, en fait, je joue de la batterie. Ça, c'est depuis que j'ai 8 ans. Je me souviens, j'ai vu un drummer à la télévision. Je le voyais jouer. Puis... Désolé pour interrompre, mais... Je crois que ça, c'est tout le temps que nous avons pour parler au propos de votre instrument. La prochaine émission, on va parler au propos d'Amin Tazi, qui va parler sur le procès de la création de son propre musique. C'est un sujet qui est certainement très intéressant et je suis certain que vous allez être intéressé. Moi, je vais être intéressé. Donc, on va le voir dans la prochaine émission. Pour maintenant, moi je me suis Damien Louis et je vais vous voir sur une autre journée. Au revoir. Okay.